deux bandits fait voile pour payer sans chapeau. Dans bon côté coup de balle avec la police fanatique Joe Canel journal 9 un jour pour chasser un jour pour gibier tant que Jean-Paul l'a dit. Mais premier bandit tombé valé avec délaissance li c'est un même gang 400 maozo dans quoi des bouquets pendant que la police lui-même il t'a fait patrouille dans zone la Tremblay avec Duval. Ah ben pendant patrouille la police n'a si on est zone ça yo il a croisé avec une machine qui était pas être suspect qui était deux tours gondé là-dedans. Ah ben là yo ni ouais machine la police n'a vini yo ouvert coup de balle sous machine la police là et policier eux même pas perdre du temps pour yo riposter et sortant de là gen yon nèg sa yo qui mouri sous place yon nan bandi yo mouri sous place et gon l'autre les même qui prend balle mais courri a gen balle li nan kote li je prend balle mais courri quand même je sa pas jou pas monsieur je courri le parti à coup de balle li quand même mais gen yon nan yo qui nan machine là qui mouri sous place. Fanatique Joe Canel journal 9 et la police profiter saisi yon zam yon fusil de calibre 12 qui était dans machine nèg yo. Donc là c'est comme ça situation li même li passé ça jeune dolance arrivé dans commune quoi des bouquets dans zone la Tremblay à Duval côté yon patrouille policière si me coup de balle sous deux bandits té à bord d'un véhicule yon mouri sous place yon sauvé à un balle dans côte li qui court ma gueule blessé le coup à gren balle il parti papa il dit jeudi à la popo pas prendre jeudi à c'est parti à coup de balle. Eh bien yon deuxième bandit pral valé ak de naissance li tout bandit ça li même li trouvel nan zone nord nan département nord et monsieur relé boy tendez bien boy et boy monsieur relé en bien la police nan opération que le mené et c'est plusieurs unités dans la police là qui mené opération ça nous jeune Idmo SDPJ dans nos pays qui mené opération ça dans zone cité du peuple et puis campé mais la police pendant opération ça li mené gen boy qui tombé en bas coup de balle dans zone cité du peuple dans campé gen boy qui tombé en bas coup de balle et gen 6 autres bandit ou bien présumé bandit qui joignent arrestation yo pendant opération la police li même li mené dans cité du peuple et puis en campé côté boy li même li tombé en bas coup de balle la police avec dendou nèg sa ou même yo t'a arrangé yo hein pour y former un gros groupe gang et ont commencé déjà ont commencé terroriser population dans zone cité du peuple et dans zone cité Chauvel dans nos pays fanatique Joe Canel journal 9 donc boy tombé en bas coup de balle et gen 6 autres acolytes li que la police mettait en bas code pour suspendre tout monde moun yo pral lamite 4 miral pour aller réfléchir en tout cas la police tenait même li frappé fanatique Joe Canel journal 9 qui dendou problème pired pour moun ka fait passeport problème pired non seulement moun yo même y'a fait 11 semaines y'a fait 1 mois bouquet monté descend nan bureau immigration pas ka fait passeport mais kounya moun yo a mouri plusieurs moun getan mouri déjà moun ka laissé fait passeport ti moun mouri grand moun mouri et jodi an la nan immigration bureau immigration Pétionville qui nan parc Sainte-Thérèse gen yon dame ki dal essayer faire passeport pour nou s'il ta quitter pays ya parce que yon pil moun ya pouwe jan a kite peyi parce que yo di bravo ici là moun pa ka vive là son jeung en be dame nan li même li pon bal te gen trop moun pousse gon policier ki gon zam nan men gros manche long encore policier a tiré nan mitan moun yo en be dame nan li même li pon bal nan pied puis a crasé gade cartouche a écrasé le cas li crasé pied dame ça sinon sou groupe Telegram journal 9 là nou ka wè photo dame ça jan touche en crasé piel sou pas sou groupe Telegram nan juste cliquer sou link lan pour ka monter sou groupe ça ben bal lan li même crasé pied madame nan t'al fait passeport couri l'hôpital avec li mais tellement getan perdu sang rive l'hôpital dame nan perdu la ville quand même li mouri quand même mais gon l'autre dame qui t'ai prend cartouche tout ça met dans orteil li même la ville hors de danger mais gen yon nan madame yon nan deux moun qui prend cartouche jean doulan gon dame qui mouri le temps pour rive l'hôpital li mouri l'hôpital parce que il t'ai getan ba pile sang puis cartouche écrasé puis net
problème hein, mon besoin quitter pays hein, chercher la vie détruire la vie, le besoin faire passeport, l'état pas prendre qu'une disposition hein, pour baga la fête dans l'ordre. C'est de temps en temps dans monde mourir dans causer al fait passeport dans bureau immigration, bagaille ça les red, bagaille ça les du fanatique Joe Canel, journal 9 dossier Mikate Morvan. Mais c'est jodi là Mikate Morvan te présenté devant juge. Jodi a été mené Mikate al juge, nous connaît depuis week-end nan Mikate, monsieur dormi en prison parce que ben j'ai aidé un collaborateur pour Jab, mais kounya eli ka prend prison hein, eli ka prend prison depuis nan week-end nan la prison. Jodi a mené devant juge pour le capable juger. Ben là juge l'a mandé pour retourner dans prison encore, pour retourner mercredi. Parce que, est-ce que nous avons bien, mes amis, dans le pays? Parce que pendant le procès, pendant le jugement, avocat n'a pas venu avec papier l'école là. Alors que tout le monde connaît, monsieur innocent, et moun yo que vous remettez comme yo, parti à désister, ça ne dit pas que parti ici, ça ne dit pas que victime, parti à désister. Malgré ça, le juge n'a dit comme ça, fuck. Il a porté papier pour prouver que c'est directeur l'école là. Tout bon, bien sûr, l'école qui est correcte, hein? Alors que l'école là pas gagné pour dans le dossier ça, fanatique Joe Canel, journal 9. Qui ça l'école nèg la vin fait dans le dossier ça? Son moun kap travay dans l'école li, qui ont accusé que font bagay, monsieur li même prend responsabilité pour le payer comme pour moun nan. Bon, qui ça l'école nèg la? Alors que, on dit, faut que l'état vie, faut que papier ta là quand même. On dit, selon les procédures, faut que monsieur ta gagne papier l'école là. La liberté est un droit sacré. Hein? Parce que, et pas parce que vous avez poti ou te ka libéré nèg la, et le la tourne devant le juge, la vina papia, monsieur pa kamaron. Nèg la pa commettre ken crime, nèg la pa commettre ken zak. Bon, qui ça te fait empêcher yon libéré nèg la, et puis mercredi la tourne ensemble papia? Bon, faut que yon fèl fon de l'autre jour en prison encore. Ah, grave. Faut que yon fèl fon de l'autre jour en prison encore. Et puis mercredi, bon, qui ça fait le pas capoter papier à demain? Hein? Faut que vous le faites 2 jours prison. Donc, pays ça, mes amis, il y a trop injustice là-dedans. Il y a trop injustice dans le pays ça. Jean Mounio même, bon, en plus, le monde connaît juge et Morin, son juge qui doit. Mais juge Morin, ou te ka toujours mandé nèg la pote papier l'école là, mais par raison pour vous, il a fait 2 jours en prison. La liberté est un droit sacré. La liberté est un droit sacré. Ou ka toujours libéré nèg la, mais pourvu pour la prochaine audience, li vin ak papier a. Non, nous pa ka faire moun bran prison comme ça, pas bon. En tout cas, nous pral fò tande avocat Mikate Morvan, qui c'est grand frère John Colin Morvan, qui t'a parlé sous dossier ça, fanatique Joe Canel, journal 9. Qui jouait. Et théâtre ça, malheureusement, yo mette comme moun ki vin jouer une scène la donne. Et que au lieu que yo libéré comme convenu mon client Morvan Mikate, koune la yo voye le correctionnel. Et arrivé au correctionnel koune la, le juge du siège a demandé au parquet, au ministère public, côté victime nan. C'était à ce moment-là, le parquet a dit, pas de victime. Et le parquet l'a si bien dit, et vous étiez les premiers témoins à écouter ça. Pas de victime. Et malgré ça, eh bien, tribunal correctionnel là, il a renvoyé là pour mercredi encore. Ça veut dire, Morvan va passer encore 48 heures en prison, injustement, illégalement. Donc, suivant le caprice des uns et des autres. Écoutez, intervention là, c'est pour que moi dis à nous-mêmes qui la journaliste et à toute la société. Voici cette justice de topaz que nous sommes en train de conjuguer dans ce pays. Et que pour voleurs qui viennent dans le pays ça, pour criminels qui viennent dans le pays ça, pour sans-avec qui viennent dans le pays ça, pour paquet de paroles qui poursuivent, et je dis à ce monde qui signe un acte d'engagement pour le payer pour un monde qui travaille avec elle. C'est lui-même pas qui a arrêté Jodia et c'est lui-même qui a fait dilatoire dans la prison alors que les bandits, les voleurs, les corrupteurs de grand chemin, que tout le monde connaît, ils sont libres et parcourent la ville sans être inquiétés. Donc voici, mais Jodia a une nécessité pour que je parle. Qui ça, question y est, et m'a montré nous pour nous-mêmes qui c'est les yeux de la société.
Monsieur Mikate Morvan gagne un employé qui gagne en difficulté avec yon moun pour une question l'argent. Comme c'est employé, les signer un acte d'engagement côté li dit li puisque c'est employé là je vais bon la remettre l'argent et que la touche sous lui. Voici l'acte d'engagement. De acte d'engagement ça, qui c'est un acte qui purement civil, privé, le paquet de Port-au-Prince décidé de décerner un mandat d'amener contre Morvan pour son nom ou à cause de son nom et qui ça va le mettre la donne, il va le mettre vol, escroquerie, association des malfaiteurs par le fait que lui signe un acte d'engagement pour lui aider yon moun qui nan bureau pour que lui paye yon dette que lui doit. Par la suite, les nous finis dans le paquet, qui ça nous fait? Les nous joignons le commissaire qui a été saisi du dossier, le commissaire Michel Christophe, qui a bien compris la question et qui t'a dit publiquement, il n'a pas dit pour qui ça, s'il te connaît comme ça, ça n'a pas tapé de ses mandats. Donc il était induit en erreur. Et t'es par devant. Le monsieur Pascal Grégoire Rico. Et par la suite, le paquet de Port-au-Prince fait injonction à monsieur Morvan pour déposer comme là dans le greffe là. Les noirs allaient dans le greffe là, ensemble avec monsieur Pascal Grégoire Rico, nous déposer comme là et les signer un acte de désistement que va prendre lecture pour nous de acte de désistement qui est extrêmement important. Déclaration avocat Mikate Morvan qui t'a parlé après que juge là lui-même il t'a pris décision pour voyer audition Mikate Morvan pour mercredi Kavin là. Donc je vais faire deux l'autre jour en prison encore. Bah là grave, on est qui innocent hein, pas rien pour voir ça reprocher et qu'on est là pour aller partir presque font semaine en prison à nos pays ça va pas. Et pas sans raison mon a couru quitter pays et tout le monde témoigne du nek ça Mikate son est correct, on est droit, on est honnête. Quand j'en a fond innocent de prison, on paquet de dealer drogue lagué dans la ria là, on paquet de kidnapper lagué dans la ria là, on paquet de bandit à costume, bandit à veste lagué dans la ria là, et puis c'est innocent n'a fait bre prison. Mais qui donne nous tout causer les monde sur téléphone voye bay mon cash là son problème lié vrai en pile monde victime de causer ça. Et le commissaire gouvernement Jacques Lafontaine lui mandé pour monde qui victime de causer ça pour pas négliger toutes les plaintes. Entendez Jacques Lafontaine. Il y a une nouvelle forme de banditisme aujourd'hui qui a développé dans le pays. Une nouvelle forme d'escroquerie et d'extorsion qui fait à travers des comptes mon cash. Et que nous aurions les où yo dou son numéro de téléphone, banque code secret ou jouen un cadeau ou yon prime de tel montant comme dans telle compagnie, Digicel, etc. Et pour capable recevoir comme ça, caleur. Et drôle coïncidence, leur bail code secret, vagabond, malfrat, lit tout pirater code là. Et de sorte que donc, chaque fois où tu as mis des cobs sous mon cachou, sous compte, ou bien un monde proche ou mettez pour vous, eh bien, voyou ça, malfra ça, qui était un pirate code là, eh bien, on ne peut pas prendre un goutte sous compte encore. Donc, ça, c'est une nouvelle forme, une nouvelle stratégie de vagabond utilisé pour capable débraver, pour capable décapitaliser plus toujours
des mondes de couches sociales faibles dans la société haïtienne. Et à ce niveau-là, moi j'ai demandé avec Digicel et Nacom pour être capable de retracer pour nous, aider à retracer et localiser Mounsayo qui d'abord m'a demandé pour Mounsayo, l'ensemble de Mounsayo qui subit Baïsayo déjà pour des problèmes dans le paquet et m'a demandé pour que Digicel et Nacom capable et de nous retracer et propriétaire de téléphone Zayo. Et pour pas qu'il soit capable de mettre action publique en mouvement contre Malfa Zayo. Et je me rappelle qu'il y a une loi sur le kidnapping. Non? Je crois que la loi de décembre, si je ne m'abuse, 2017, d'abord 2009 et 2017, et qui prévoit dans l'article 93 coopération qui gagne entre Digicel et la justice. Et parquet notamment, pour être capable de contribuer et bien apport yo dans la traçabilité propriétaire téléphone sa yo qui a fait des pratiques ça sou. Nous gagnons deuxième point ça, gagnons une autre forme de travail qui a fait là par des manadrins, c'est appel rentrant sur téléphone ou mon nom, mon cher, souvent même tant qu'on m'a kidnappé au pita. Alors que c'est des vagabonds qui par hasard, qui est le monde, ils composent son numéro et ils tombent sous. Mais malheureusement, c'est sous le tombé. Et puis voilà, mando, sous ou pas, même tel qu'on m'a kidnappé. Moi-même, je fais ça. D'accord? Je fais proche ça. Maintenant, je me demande à Digicel encore, je m'appelle écrit Digicel sur ça, pour qu'aide nous, capable de retracer Fakabon Sayo, et tout le monde qui subit l'action ça. Pour te prendre, bas nous numéro de téléphone qui est là, et pour nous capable de mettre l'action publique en mouvement à travers Digicel, qui coopérer avec nous dans ce sens. Et la loi dit, je dis ça pour Digicel, s'il vous plaît, pas menace, pas fait Digicel. La loi dit, si compagnie téléphone mobile, tu as pour une raison ou pour une autre, pas aider parquet accompli travail ça yo, mais la loi a prendre pour complice de l'action criminelle. Donc moi demande vivement pour que Digicel n'a comme de nous retracer propriétaire téléphone qui a fait une menace d'enlèvement à partir des appels rentrants pour pas qu'il soit capable de sévir avec la plus grande rigueur de la loi contre ces malfrats, ces voyous, ces malandrins. Nous gagnons en même temps de faux comptes qui connaît relais moun qui dit que le commissaire Lafontaine Jacques a fait une séance de plaidoirie de procès qui a libéré moun en prison. Bon, tant qu'on m'a blagué le bout. Yo fait ça sous l'autre commissaire tout, mais comme Dom Bam la y passe la yé, c'est sous Dom Nek monté pour faire ça. Et m'a dit que m'a au moins 3 moun en prison là, dans 4 bagages ça. Moi j'ai un certain Mackinson qui est en prison là. J'ai Calixte Junior qui est en prison tout. Lui même Calixte Junior là, il te prend voix et Edozeni, l'ex sénateur Edozeni pour te faire passer message pour moun balcon. Et lui induit en erreur plusieurs moun dans sens ça. Le sénateur Sildo par exemple, l'ancien directeur de l'ONA pour me citer ça seulement. Donc monsieur amusé au fait faux compte. Et puis il y a plein de dans le monde. Et m'a dit mon seul numéro de téléphone moi-même depuis pratiquement 12 ans. Bajam Gelot, c'est le 3766-2170. Barina comme tout, Barinot téléphone Digicel. Donc sous mon hello, m'a dit bien à tout le monde dans la société. Si vous êtes malandrin, si vous êtes voyou, si vous êtes malfrat, si vous êtes sans ave, on sanguine relo, qui nous porte comme Bali. Ah mais moi-même, ce n'est pas moi, sous nos moins, relais de CPJ relais pour nous capables de traquer vagabond ça. Et dans ce sens, il y a un vagabond relais et qui relais Césaire, tel bagaille. Si je me rappelle Mabdoulé là tout à l'heure, tel bagaille Césaire. Monsieur était lagué en 2020
ou 2021, sous ABS, monsieur habitué à tout le monde en prison. Monsieur prend plusieurs corps dans le monde déjà, mais tout ce là tu me fais pour me prendre, monsieur, je ne suis pas capable. Donc maintenant, je m'attends pour me regarder pour moi si je ne prends pas monsieur. Et si je ne prends pas monsieur, l'idée de mettre le diable, elle va prier pour me prendre monsieur. Parce que monsieur détruit tout le monde sous nom. Voilà, déclaration, commissaire gouvernement, porte-au-prince Jacques Lafontaine, m'a demandé porter plainte. Les victimes de appel et à recevoir sur téléphone, il m'a des compagnies téléphone, notamment Digicel, pour aider au tout, pour résoudre le problème ça, des monde qui a mis à faire escroquerie dans les monde sur téléphone, voyez message bah, pour dire bah, comme pour faire ceci, pour faire là, pour faire cela, un paquet de causes. En tout cas, commissaire gouvernement m'a des compagnies téléphone immobilier, Digicel aide, dans le sens ça, pour combattre réseau criminel ça, qui a victime moun, dans le sens ça. Fanatique, Joe Canal, Journal 9, ou qu'on formule, déjà, si vous pouvez abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petit cloche là pour toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagaille neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail information 50p Journal 9 à faire dans tout pays. N'ap kabila avec vidéo si là.